Chers compatriotes, aujourd'hui la France, l'association Solidaridad, les crimes organisés, qui comme nous, à nos êtres combattus. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur UHT et les RCFM pour ce contraste élaboré en collaboration avec Corse ce matin. La vie politique est faite de haut et de bas, c'est une la palissade que de le constater. Parfois, les parcours politiques les plus accomplis se trouvent brusquement contrariés par des événements plus ou moins prévisibles. C'est ce qui arrive à notre invité du jour, le sénateur de la Corse du Sud, Jean-Jacques Panoun, s'y ballotté entre intrigues politiques en 2014 et démêlés judiciaires plus récemment. Il a néanmoins accepté cette invitation en forme d'explication. Jean-Jacques Panoun, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence sur ce plateau. C'est toujours plus facile de venir lorsque les choses vont bien, mais il est courageux de le faire lorsque les événements sont défavorables. Alors vous serez ce soir face à Roger Antège de Corse Matin. Bonsoir Roger. Bonsoir. Et Jérôme Souzine de RCFM. Bonsoir, bonsoir Jérôme. Alors l'actualité politique cette semaine, Jean-Jacques Panoun, ça a été cette nouvelle visite d'un candidat à la primaire de la droite, Bruno Le Maire, une primaire qui s'accélère. Alors il veut tellement se distinguer des autres concurrents qu'il a même pris position contre le rapprochement des prisonniers. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces prises de position dans une sorte de course à l'échalote? Alors ça vaut pour la Corse comme pour d'autres sujets. J'ai l'impression que certains candidats oublient... qu'il se prépare, je dirais, à une élection nationale, à être le représentant de tous les Français. Et lorsqu'ils se déplacent, ils disent souvent ce que les gens, les électeurs, souhaiteraient entendre. Et pas toujours ce qu'il devrait y avoir dans leur programme pour redresser la situation économique et sociale, notamment lorsqu'on se déplace en Corse. C'est l'impression que j'ai eue lorsqu'il y a eu le déplacement de Le Maire, lorsqu'il y a eu le déplacement de Nicolas Sarkozy. On a vu qu'il y a eu quand même un certain revirement, des promesses qui sont faites, ça fait plaisir. Donc, pas crédibles d'après vous? Moi, je dis que ça ne fait pas très sérieux. Bon, sauf que pour Le Maire, ce n'est pas tout à fait ce que les Corses voulaient entendre sur le rapprochement des prisonniers. C'est au moins un sujet qui fait consensus aujourd'hui dans l'île. Oui, il y a beaucoup de Corses, je dirais, ancrés républicains qui ne sont pas favorables au rapprochement des prisonniers. Je trouve que ce n'est pas logique, que ce n'est pas normal. Moi, je me bats depuis que j'ai été élu sénateur pour essayer de proposer un projet de loi sur le rapprochement des prisonniers, de tous les prisonniers. Je ne parle pas que des prisonniers politiques, je parle de tous les prisonniers de droit commun, parce que j'estime que les familles qui sont touchées par ce genre d'événement sont frappées par la double peine. Donc j'ai essayé d'expliquer tout ça au président du Sénat, Gérard Larcher, lorsque j'ai été élu sénateur. Il m'a promis que la commission des lois allait travailler dessus. Je suis très heureux parce qu'on m'a envoyé un projet, une esquisse, qui je pense devrait être prête pour être présentée d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Alors on en revient à la primaire. Pour quelle raison vous avez fait le choix d'Alain Juppé? Vous étiez partisan de Sarkozy il y a 5 ans. Oui, c'est vrai. Il y a 5 ans, j'ai voté Sarkozy par défaut, parce que si Alain Juppé s'était présenté il y a 5 ans, j'aurais soutenu la candidature d'Alain Juppé. Je l'avais déjà dit il y a 5 ans. Bon. Le candidat qui a été choisi par notre famille politique était à l'époque Nicolas Sarkozy, donc... Je le dis franchement, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy, j'ai fait campagne pour Nicolas Sarkozy, je me suis déplacé dans les communes et quelque part, au fil du temps, pendant sa mandature, j'ai été un petit peu déçu, comme il a pu décevoir aussi beaucoup d'autres personnes. Donc aujourd'hui, pour moi, c'était un choix tout à fait naturel que de soutenir la candidature d'Alain Juppé. – Ça veut dire que cet engagement-là, de votre part, il est clair, il est tout aussi clair après le dernier débat des primaires, d'ailleurs, pour vous, c'est toujours aussi le même candidat, Juppé, que vous soutenez,
après le dernier débat. C'est renforcé ou c'est... Ah non, mais ça ne fait que renforcer ma conviction. Je reste persuadé que Alain Juppé a véritablement le profil d'un homme d'État. C'est celui qui peut valoriser, je dirais, la fonction de président de la République, qui a été un petit peu ternie sous le candidat de François Hollande. Et c'est quelqu'un, je sais, qui tiendra ses promesses, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui a une expérience, puisqu'il a été plusieurs fois ministre, Premier ministre aussi. Et je pense que pour avoir discuté un petit peu de ce que éventuellement on pourrait demander pour la Corse, il n'est pas du tout fermé et il est prêt à en dialoguer. – Alors déçu par Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit à l'instant, Laurent Marcangeli l'a amer par rapport à ce rendez-vous manqué, si l'on peut dire, lors de la visite de Nicolas Sarkozy dans le cadre de sa campagne des primaires. Il y a eu des propos assez vifs entre l'un et l'autre. Laurent Marcangeli, l'a amer, il faudra pardonner, dit-il. Vous êtes déçu. Si Nicolas Sarkozy vient à être désigné le candidat de la droite, comment vous allez vous en sortir pour... ça va être difficile. Ça va être... Écoute, vous n'y croyez pas du tout à son retour? Moi, j'y crois. Je n'y crois pas du tout, mais hypothèse d'école, si quand bien même il est le candidat choisi de la droite pour la présidentielle, eh bien je me rangerai, je dirais, derrière ma famille politique. Il est hors de question que je fasse un autre choix. – Mais est-ce que ça va même... pas laisser des traces, cette primaire? Parce qu'on a vu les déclarations de Nicolas Sarkozy à l'encontre de Laurent Marcangeli. On a vu Charles Volimatch sortir du bois et qui a été recadré assez sévèrement par le maire d'Ajaccio. Il va y avoir des... Ça va laisser des traces, quelle que soit l'issue. Alors je pense que, bon, quand il y a une compétition, il y a toujours un petit peu de tiraillement entre les uns et les autres. Mais que c'est obligé de rentrer dans l'ordre si nous voulons gagner cette élection. Effectivement, le choix que nous faisons au départ n'est peut-être pas le choix que nous souhaiterions à l'arrivée, mais il ne s'agit pas d'une personne, il s'agit de l'avenir de la France. Et il s'agit aussi de mettre quelqu'un, je dirais aujourd'hui, pour battre le candidat Hollande. Donc, le moment venu, je pense qu'il y aura des discussions et que la famille se ressoudera. – Comment vous jugez le comportement, la prise de position du président du conseil départemental, Pierre-Jean Loudjian ?– Oui, parce qu'au départ, il s'était positionné en disant je ne soutiendrai personne pour pouvoir demain recoller les morceaux après les primaires. Mais en volte-face, il soutient Sarkozy. Écoutez, j'ai été le premier surpris puisque lui-même m'avait dit que, dans une discussion que nous avions eue au préalable, il m'avait dit qu'il ne soutiendrait personne et qu'il soutiendrait le candidat qui serait désigné par la primaire. Et puis, apparemment, une discussion tête à tête avec le candidat Nicolas Sarkozy l'a convaincu que c'était le meilleur candidat pour la droite et le meilleur candidat pour la France. Bon, je ne sais pas ce qu'on lui a promis. On ne lui a pas expliqué ou rappelé quitte à faire roi. Moi, je pense que Pierre-Jean Loudjian avait besoin d'entendre certaines choses qu'il n'a pas réussi à entendre ni à se faire dire lors de son entrevue avec Alain Juppé, et que Nicolas Sarkozy lui a fait certaines promesses. Mais bon, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. – Ça nous rapproche des événements du Conseil départemental du Corse du Sud. Hein. Je ne vais pas vous rappeler ce qui s'est passé, vous l'avez vécu. Ce n'est pas tout à fait ça. Vous estimez qu'au niveau du fonctionnement du Conseil départemental de Corse du Sud, aujourd'hui, les comptes sont soldés, on est passé sur les événements, on est passé à autre chose aujourd'hui dans le fonctionnement de l'institution? Écoutez, je l'espère. Et j'espère que le psychodrame que nous avons vécu le 2 avril 2015 a eu un impact favorable sur certaines personnes et a fait comprendre quand même que pour gagner des élections, il faut être uni. Ouais. Souvenez-vous, en 2004, la gauche désunie perd les élections. En 2010,
Les nationalistes font 52 000 voix. Mais comme ils ne sont pas unis, ils siègent dans l'opposition. En 2015, ils font exactement le même nombre de voix. Mais comme ils sont unis, ils raflent la prime. Ils gagnent les élections et c'est eux qui sont aujourd'hui... Vous êtes de ceux qui raccrochent la défaite de la droite en décembre 2015 à ces événements du Conseil départemental de Corse du Sud. Ça a commencé là, finalement ? En bonne partie ? En très grande partie, c'est dû à ce qui s'est passé au Conseil départemental de la Corse du Sud au mois d'avril. En très grande partie. Vous êtes passé dessus ces événements, vous, et ce coup de Trafalgar politique, en quelque sorte. J'ai retenu une phrase d'un homme politique éminent qui a dit en politique qu'il ne faut avoir ni rancune ni rancœur. Donc il ne faut pas garder de rancune. Et il faut toujours regarder devant, il faut regarder l'avenir. Et il faut regarder comment on peut construire et être... performant sur les prochaines essais. – Vous espérez seulement, finalement, vous avez dit « j'espère que les choses sont rentrées dans l'ordre », vous espérez seulement, vous n'êtes pas convaincu que finalement la droite aujourd'hui, en Corse du Sud en tous les cas, évidemment, c'est là où elle se situe en position de force dans le département, la droite aujourd'hui, c'est un bloc, vous n'êtes pas convaincu, d'autant qu'il y a des positionnements par rapport à la primaire, évidemment. – Non, la droite, comme tous les autres partis, elle se cherche un petit peu. Je pense que nous arrivons à la fin d'un cycle politique, d'un cycle d'hommes aussi, et qu'il y a des émergences dont il faut tenir compte, et que, bien entendu, pour rassembler tout le monde et pour partir sur des bases nouvelles, bon, il y a quelques flottements, il y a quelques ajustements, mais je suis conscient qu'aujourd'hui, notre famille politique va se reconstruire et que la confiance est rétablie. Il n'y a aucun doute. Et le bilan du conseil départemental de Corse du Sud depuis un an, est-ce que l'équilibre a bien été respecté? C'était une de vos craintes entre l'urbain et le rural. L'aide aux communes se fait de façon tout à fait transparente. Il y a eu quelques petites polémiques Oui, des polémiques. Disons qu'il y a eu quelques ajustements, il y a eu quelques observations, il y a eu, je dirais, des interrogations à un moment donné. Bon, mais elles sont levées. Aujourd'hui, tout est levé. Je pense que, écoutez, je reste toujours vigilant parce que je ne laisserai rien passer. Vous me connaissez. Je veux que tout le monde bénéficie des mêmes droits de la même façon. Et je pense que le président Loutiane s'est engagé dans cette voie et qu'il tiendra ses promesses. – Alors on en vient à cette affaire judiciaire qui a éclaté d'ailleurs en même temps que les bisbilles au conseil départemental en 2015 en ce qui concerne ces entrepreneurs de Vigo, un conseiller municipal, le maire et le conseiller départemental François Colonne et vous-même en tant que président du conseil général à l'époque. Il s'agit d'attributions illégales de marchés publics, de favoritisme. Le parquet a demandé des condamnations pour tout le monde et pour les élus, des peines très lourdes et d'inéligibilité de 3 à 5 ans. Pour vous notamment, comment est-ce que vous réagissez à ces réquisitions, et en particulier sur l'inéligibilité ? Alors, si vous me permettez, deux choses. La première, c'est que je ne vais pas commenter quelque chose qui n'est pas encore jugé, vous me permettrez. Et ce sera le 24 janvier. Et j'attends, bien entendu, avec beaucoup de sérénité, le résultat et le jugement qui sera prononcé le 24 janvier. Mais en même temps... je voudrais vous informer de cette affaire, qui n'en est pas une, finalement. Qu'est-ce qu'on nous reproche? Pendant 10 ans de fonction de président de conseil général, j'ai passé entre 1500 et 2000 marchés, et j'ai fait un peu plus d'un milliard d'euros de travaux. Sur les 1500 ou les 2000 marchés, sur une dénonciation anonyme, d'après les PV des gendarmes, on me reproche d'avoir attribué à une entreprise co-traitante, pas titulaire, des marchés alors que cette entreprise n'avait pas remis tous les documents.
Et effectivement, lorsqu'ils ont saisi les marchés au Conseil général de la Corse du Sud et qu'ils ont vérifié, effectivement, il y a eu, à un moment donné, dans mes services, un dysfonctionnement. Et sans vouloir me décharger sur mes services, mais je suis obligé de parler de l'organisation des services au Conseil général. Un président n'ouvre pas les plis des appels d'offres, des marchés. Un président ne fait pas l'analyse des marchés. Vous n'étiez pas à la commission d'attribution des marchés, hein ? Si, c'est moi qui la préside. Mais le président de la commission d'appels d'offres ne fait que proposer aux membres de la commission d'appels d'offres l'analyse qui a été faite par les services. On n'a jamais attribué un marché qui n'a pas été proposé par les services. – Ça veut dire que vous n'avez pas effectivement l'ensemble du dossier sous jamais sous de la vie. Mais par contre, vous dites, bon, vous avez précisé, apparemment, les gendarmes ramènent cela à partir d'une dénonciation plus ou moins anonyme. – Oui, plus ou moins anonyme, puisque elle ne l'est plus, tout le monde sait qu'est-ce qui a parlé. Bon. – Ah ben moi, je ne sais pas. – Oui, non mais… vous le saurez après le 24. Et non, mais ça vient de, ça vient de la police, ça vient de c'est un règlement politique. Du microcosme politique ou non ? Ça se déclenche au moment où il y a cette affaire au Conseil. Oui, on pourrait imaginer que ça part par rapport aux histoires qu'il y a eu au Conseil général. Oui, je n'en suis pas aussi sûr que ça. C'est pas les services, c'est pas dans les services apparemment. Non. Donc c'est un élu du département, toujours élu. C'est un agent du département qui a. Donc pas de règlement de compte politique. Je ne pense pas, sincèrement. Et là, vous l'avez comment, amer, serein, vous dites on passe en politique. Non, c'est quelque chose qui me marque, qui me tracasse. Je ne pourrais pas vous dire qui m'empêche de vivre, mais c'est quand même quelque chose qui. La négative. Que je vis très mal. La négative. Je la vis très mal parce que, encore une fois, oui, je veux endosser la responsabilité de ce qui s'est passé. Effectivement, il y a un dysfonctionnement. Conseil général, je suis président, je dois endosser la responsabilité. Mais je ne peux pas être rendu coupable d'un délit de favoritisme que je n'ai pas commis. – Sur le risque d'inéligibilité, cela on vous touche au cœur de ce que vous êtes finalement. Comme ça serait terrible pour vous ?– Ah ben, écoutez, il y aura des conséquences. Bon, je pense que j'attends Moi je vous le dis, j'attends avec beaucoup de sérénité ce jugement parce que bon… Ça me semble extravagant. Mais je ne peux pas en dire plus. Je m'exprimerai davantage lorsque j'aurai le jugement à ce moment-là, parce que moi aussi j'ai mené ma petite enquête, parce que c'est trop facile. On a eu, je dirais, quelque chose qui a été mené à charge contre le Conseil général. À aucun moment on a tenu compte des documents que nous avons produits pour prouver que ce n'était pas un acte intentionnel, ce qui a été fait au Conseil général, que c'était simplement la chaîne à un moment donné qui a dysfonctionné. Bon, elle a dysfonctionné, je le rappelle, sur trois marchés alors qu'on en a passé 2000. Bon, elle n'a pas dysfonctionné d'ailleurs qu'au Conseil général, puisqu'elle a dysfonctionné auprès du service des impôts, puisque eux-mêmes ont validé les documents des entreprises en disant qu'ils étaient en règle. Elle a dysfonctionné aussi au niveau du contrôle de légalité, puisque, excusez-moi, mais on ne peut pas notifier un marché tant qu'il n'est pas visé par le contrôle de légalité, par le préfet. Donc, là aussi, il y a eu un dysfonctionnement. Vous voyez très bien que dysfonctionnement, ils peuvent arriver dans n'importe quel service. Bon, mais on veut absolument… – Votre tête. Incriminer le président du Conseil général. Mais la justice est extrêmement sensible à tout ce qui relève des affaires financières et en particulier lorsque ça concerne des élus. Elle en fait trop, selon vous ? Écoutez, moi je vais vous livrer mon sentiment personnel parce que je réfléchis beaucoup depuis que j'ai été touché par cette affaire. C'est la première fois d'ailleurs, je me retrouve 2 heures. Dans une gendarmerie et que je termine dans un tribunal. Bon, ben, à 61 ans, tout peut arriver, surtout quand on fait de la politique.
Moi, j'ai la nette impression aujourd'hui que les services de gendarmerie en Corse et de police, ils n'ont plus grand-chose à faire. Il n'y a plus d'affaires de terrorisme. Des affaires de banditisme, on n'en entend plus parler. Pourtant, il y en a. Hein. Bah, il y en a, oui, mais on n'en entend pas parler. Donc, reprenons les attentats. Et, non. Oui, quelque part, oui. Mais, et donc, ils ont redéployé tous leurs moyens, aujourd'hui, sur les collectivités locales, sur les élus et sur la délinquance financière. Peut-être qu'ils ne s'intéressaient pas trop auparavant. Bien entendu. Et je ne dis pas ça en critiquant ce déploiement de force sur les collectivités ou sur les élus. Mais je veux dire que si chaque fois qu'il y a une dénonciation anonyme, il va y avoir une enquête qui va être menée à charge pour impérativement essayer de condamner un élu, ça devient grave. Alors on revient à la politique et ce grand débat sur la collectivité unique. Alors cette semaine encore réunion du conseil départemental à Ajaccio avec la présence du préfet qui présentait le bilan des services de l'État et un débat qui s'est engagé avec le président du conseil général, Pierre-Jean Luciani, qui dit que finalement lui, concernant les travaux dans les ateliers pour mettre en place cette collectivité unique, bah, il n'y participerait pas, c'est une sorte de blocage politique quand même. Vous comprenez cette position ? Je ne la comprends pas et je pense que, bien que vous me connaissez, j'étais un départementaliste convaincu, je suis celui qui a défendu les départements jusqu'au dernier moment, mais il ne faut pas nier qu'aujourd'hui on est passé à autre chose. Depuis la délibération, moi je me suis incliné lorsqu'il y a eu cette fameuse délibération du 12 décembre 2014, où il y a eu un vote pratiquement unanime pour aller dans le sens d'une collectivité unique. Il faut se plier à la volonté majoritaire. – Et du reste, il n'y a aucun des candidats à la primaire de la droite et du centre qui remet en cause aujourd'hui, sinon dans les modalités et dans le calendrier, l'instauration d'une collectivité unique en Corse. – Sauf que moi j'ai lu dans la presse que le candidat Nicolas Sarkozy, après son entretien avec Pierre-Jean Luciani, c'est les propos qu'a tenu Pierre-Jean Luciani dans la presse, il lui aurait promis de ne pas supprimer, même si on va vers une collectivité unique, il lui aurait promis de ne pas supprimer les départements. Nicolas Sarkozy n'a pas fait de déclaration publique dans ce sens. Mais moi, ce ne sont que les propos de Pierre-Jean Luciani. Les propos de Pierre-Jean Luciani. Ce serait la fameuse promesse faite donc à Pierre-Jean Luciani. Mais cela dit, Pierre-Jean Luciani. C'est cher payer le soutien, hein. C'est cher payé, le soutien. Pierre-Jean Luciani ne bloque pas, cela dit, la collectivité unique, même si là, effectivement, on en parlera avec lui une autre occasion. Si effectivement, aujourd'hui, Pierre-Jean Luciani dit « je ne suis pas contre la collectivité, tout le monde est pour cette collectivité », c'est pas ce qu'il disait à une époque, effectivement. Il dit « par contre, tout ce qui est technique, je ne vais pas y aller ». Il y a quand même un risque que le département de Corse du Sud laisse faire les choses, finalement, en se basant uniquement sur l'élection après des primaires, après le présidentiel, d'un candidat. C'est quand même risqué, c'est jouer à la roulette. Moi, je dis que c'est une très mauvaise réflexion et qui portera un préjudice certain au département de la Corse du Sud, aux habitants de la Corse du Sud, aux fonctionnaires de la Corse du Sud, aux services de la Corse du Sud. Parce que moi-même, aujourd'hui, je ne suis pas pour la collectivité unique qu'on nous impose. J'ai toujours dit que dans les ordonnances, on n'allait rien écrire et que l'empilement de compétences sur une collectivité, sans qu'il y ait une nouvelle organisation administrative et financière en Corse, avec un changement de mode de scrutin et une nouvelle représentativité, une nouvelle organisation de territoire, ça ne pouvait pas convenir à la Corse. Ça ne peut pas convenir à la Corse. Il faut une loi spécifique à la Corse. – C'est ce que proposent les candidats, Nicolas Sarkozy avec l'entrée dans la Constitution, c'est notamment et ce que Alain propose Juppé Alain également. Juppé. Alors il ne parle pas de modification de la Constitution, lui, hein, mais il propose une nouvelle loi qui serait faite dans les 6 mois suivant Tout son éventuelle élection. Qu'est-ce qu'on met dans ce projet de loi ?–
Écoutez, ce nouveau statut de la Corse. Je pense qu'il faut revoir l'architecture administrative et électorale de la Corse. Il faut un mode de scrutin qui puisse représenter tous les territoires. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on nous propose le Conseil des territoires, bon, excusez-moi, c'est un gadget. C'est pour faire plaisir. C'était la caution Bastiaise. Voilà, c'est pour faire plaisir aux nationalistes pour installer quelque chose sur Bastia. Et au Bastia. Bon, mais enfin, écoutez, ça fait sourire tout le monde. Bon. Si on veut véritablement aller vers une simplification, il faut réorganiser nos territoires. Les territoires, il faut les réorganiser déjà au départ avec à partir des interco. On va en parler. Bon. Alors, je reste dans le cadre de la collectivité unique. Un mode de scrutin. Il faut redéfinir des circonscriptions. Il ne faut plus deux circonscriptions, il en faut au moins quatre, qui seraient peut-être calquées sur les redécoupages intercommunaux. – Mais mode de scrutin toujours proportionnel ou changé également ?– À la proportionnelle, par territoire, en fonction du nombre d'habitants, avec un seuil minimum pour les territoires les moins peuplés et les plus petits. En dehors de ça, est-ce qu'il faut également octroyer à la nouvelle collectivité de Corse un certain nombre d'autres pouvoirs, en particulier ce qui avait été déjà discuté 15 ans auparavant, pouvoirs législatifs et réglementaires ? Moi, je suis pour... Je vais vous le dire franchement, c'est peut-être... parce que les gens ne me connaissent pas assez. Ce que j'ai toujours pensé, et de par mon expérience de 10 années de président de conseil général... la Corse doit avoir, pas que la Corse, toutes les régions de France doivent avoir des pouvoirs élargis. L'État doit se concentrer sur ses pouvoirs régaliens. Le reste doit être transféré au président de région. Les élus doivent être responsables de la région qu'ils administrent. – Y compris la possibilité d'adapter les lois et de faire des lois spécifiques ?– Et surtout, la possibilité d'adapter des lois. Parce que si demain… Quand on parle d'un projet de loi spécifique à la Corse, il ne faudra pas qu'il soit choisi par Paris. Il ne faudra pas que ça se passe comme pour les ordonnances. – Jacques Panouen, c'est un sénateur autonomiste aujourd'hui ?– Oui, toujours été autonomiste. Toujours été. Vous voyez ? Vous faites une découverte. – Il y a beaucoup de conversions aujourd'hui, c'est pour ça. – J'en suis persuadé que le projet de loi pour la Corse, doit être écrit et défini par les gens qui siègent à l'Assemblée de Corse. – Et sans validation par référendum par la suite ?– Non, je ne crois pas au référendum. Les élus, validation ensuite par le Parlement français. – Les élus ont suffisamment de légitimité, dans le cadre de la Constitution, les élus ont suffisamment de légitimité pour porter le projet. – Mais la loi doit être élaborée en Corse, par les Corses, pour les Corses. Alors, parlons d'un sujet qui préoccupe beaucoup les élus locaux, à juste titre, d'ailleurs, soit les maires, les conseillers départementaux, c'est celui de l'intercommunalité. Alors, peu y ont adhéré spontanément, il a fallu que ce soit le préfet qui trace la carte avec plus ou moins de bonheur, d'ailleurs. Mais si les élus locaux eux-mêmes s'étaient mis d'accord sur une carte, peut-être que le préfet ne serait pas intervenu, on aurait évité les contestations. J'ai l'impression qu'il n'y ait pas de volonté politique de faire cette intercommunalité. Le problème des intercommunalités, c'est un petit peu ce que vous aviez dénoncé à un moment donné chez les conseils généraux, quand on a voulu supprimer les conseillers généraux. Les médias disaient notamment que les conseils généraux s'arc-boutaient sur leur place, pour l'opposition. Bon. Et j'ai ce sentiment, j'ai cette impression aujourd'hui que les présidents des intercos, aujourd'hui, s'arc-boutent, veulent à tout prix garder leur petit espace de pouvoir et ne voient pas les choses, de façon à servir l'intérêt de la Corse. 21 intercommunalités en Corse. Je crois qu'il y en a 9 ou 10 sur la Corse du Sud. C'est trop. Dans la nouvelle organisation que nous pouvons imaginer, si on supprime les départements, je parle bien, si on supprime les départements,
Il ne peut pas y avoir plus de quatre intercommunalités sur la Corse, du Sud. Pourquoi ? Parce que c'est là-dessus où on va s'appuyer sur la nouvelle réforme pour la Corse. Les intercos, on peut très facilement les imaginer pour qu'elles puissent, un jour, à travers des conventions, se substituer aux compétences qui étaient dévolues auparavant au département. Mais pour cela, vous ne pouvez pas vous appuyer sur une interco qui a 2500 habitants. Bon, – les quatre intercos, c'est les quatre circonscriptions dont vous parliez tout à l'heure. – Bien entendu, ce serait plus simple. – Le périmètre est le bon? Est-ce que ce n'est pas trop vaste? Est-ce que l'intérieur, par exemple, dit qu'il risque d'être défavorisé ?– Mais si vous faites un mode de scrutin à la proportionnelle par territoire, tous les territoires seront représentés. Tous les territoires seront représentés. Vous n'avez plus besoin, l'excuse de dire aujourd'hui, dans le cadre de la collectivité unique, on va concentrer tout le pouvoir et les petits territoires ne seront pas représentés, ce ne sera plus vrai. Tous les territoires seront représentés. Et qui plus est, de par leur importance, je dirais que les communes les plus riches à l'intérieur de cette interco seront solidaires de l'intérieur et des communes les plus pauvres, et pourront éventuellement se saisir des compétences qui étaient dévolues au département. Alors nous arrivons au moment du débat contradictoire. Ce sera avec un jeune élu nationaliste, indépendantiste, conseiller territorial et président du groupe Corsica Libre à l'Assemblée territoriale. Après ce jingle, j'ai nommé Pedro Tomasi. Pedro Tomasi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau pour jouer le rôle de contradicteur. Je vous laisse maintenant vous confronter durant une dizaine de minutes avec le sénateur Jean-Jacques Panunzi. Merci Jean-Jacques Panunzi. Bonsoir. Bonsoir. Finalement, de là où je parle, c'est assez aisé de trouver avec vous un sujet de contradiction dans la mesure où nous avons des désaccords profonds sur un certain nombre de dossiers fondamentaux pour l'avenir de notre île. D'abord, de façon générale, sur la vision que nous avons du rapport de la Corse à la France, mais aussi sur des dossiers plus précis. Je pense notamment à la question de la co-officialité, où il me semble que votre famille politique oppose de façon un petit peu caricaturale le bilinguisme qui est l'objectif et la co-officialité qui est le levier. Sur la question des moyens de lutter contre la spéculation foncière et immobilière, vous êtes opposé au statut de résident. Mais je dois dire aussi, pour être tout à fait honnête, que sur un certain nombre de dossiers, il y a des convergences qui existent. La question de la fiscalité, où vous participez à un groupe de travail avec l'ensemble des parlementaires et la majorité territoriale, notamment pour permettre de sauver la fiscalité sur les successions. Et puis, je souhaiterais avec vous aujourd'hui poursuivre un dossier qui a vocation à nous rassembler plus largement. Vous l'avez évoqué en partie dans la première partie de l'émission, c'est la collectivité unie de Corse. Et je dois dire qu'à ce sujet, j'ai du mal à suivre le positionnement de votre famille politique en général. Vous avez rappelé la délibération de 2014 de l'Assemblée de Corse, adoptée très majoritairement. Et puis on a l'impression qu'au fur et à mesure qu'approche l'élection présidentielle et législative en France, vous représentant l'Assemblée de Corse particulièrement, on fait preuve d'obstruction à travers un certain nombre de mesures dilatoires. J'ai écouté avec attention le discours de José Rossi à l'Assemblée de Corse. Et il me semble qu'on a assisté à un raisonnement par l'absurde qui consiste à dire ces ordonnances sont imparfaites, nous le disons aussi, puisque nous sommes favorables à aller beaucoup plus loin, à une révision de la Constitution comme première étape. Donc parce qu'elles sont imparfaites, nous refusons de les améliorer et nous votons contre. Or, il me semble que c'est la mauvaise solution qui a été choisie, puisque en poursuivant le dialogue avec le gouvernement, même si c'est un dialogue contraint, nous avons pu arracher un transfert de TVA contre des dotations d'État, un statut d'île montagne auquel vous serez appelé à participer et qui permettent, à cadre constant, d'avancer. Alors certes, ce n'est pas suffisant. Mais pour être plus précis, je crois qu'au-delà de la question de notre rapport à l'État sur ce dossier de la collectivité unie de Corse, ce qui est aujourd'hui le plus intéressant, c'est notre rapport à nous-mêmes, c'est-à-dire la façon dont les trois collectivités doivent entrer dans une démarche partenariale. Et j'enregistre avec satisfaction vos propos sur le comportement du président Luciani, qui, en refusant de se rendre à des groupes de travail techniques, participe à une sorte de sabotage a priori.
et finalement de politique de la terre brûlée dans le cadre de cette mise en œuvre de la collectivité unie de Corse. De notre point de vue, il y a deux éléments d'alerte. Ce refus obstiné de participer à des instances de dialogue alors que les syndicats du département y participent et que l'ensemble des deux autres collectivités y sont présentes. Et puis la gestion même du Conseil départemental de Corse du Sud. Il ne s'agit pas pour nous de mettre sous tutelle qui que ce soit, mais d'avoir un dialogue ouvert avec l'ensemble des partenaires sur notamment les questions budgétaires et d'augmentation des frais de fonctionnement. J'aimerais vous entendre à ce sujet. – Alors, vous avez évoqué le comportement du président Luciani sur, je dirais, l'avancement de la collectivité unique. C'est que moi, j'ai toujours été un départementaliste convaincu. Je les ai défendus jusqu'à la dernière minute, les départements. Mais bon, comme je le rappelais tout à l'heure, il y a une délibération qui a été prise à l'unanimité, le peuple a choisi, eh bien, il faut s'y plier. Et il faut faire en sorte, bien entendu, d'accompagner du mieux possible ce mouvement. Vous dire que je suis d'accord sur la façon dont aujourd'hui on nous impose la collectivité unique, je vous dirais, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que j'estimais que, puisque nous faisions une réforme sur la Corse, pour une fois où nous étions tous d'accord sur un sujet aussi sensible, il aurait mieux valu peut-être utiliser encore 4 ou 5 ou 6 mois de réflexion supplémentaire et proposer un projet de loi définitif pour la Corse. Un projet de loi, pourquoi ? Parce que vous le voyez très bien, on ne peut pas revenir, je dirais, tous les 4 ou 5 ans et demander un nouveau statut pour la Corse. Parce que là-haut, à Paris, vous savez, des fois, je suis un peu gêné. Ils s'imaginent toujours que les Corses, on en veut toujours un peu plus, que nous bénéficions déjà de pas mal de privilèges, qu'il n'y a pas que la Corse au niveau national, qu'il y a aussi des autres régions, que bon, par conséquent, ils commencent à en avoir un petit peu marre. Bon. Pour une fois où nous étions d'accord, pourquoi aller vite ? Je n'ai pas compris. Je vous le dis franchement, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Et j'ai pensé qu'à un moment donné, le gouvernement, Madame Lebrancheux, Monsieur Cazeneuve, sont venus en Corse pour satisfaire une vieille revendication nationaliste qui était celle que vous demandez depuis 40 ans, la suppression des conseils départementaux. Si la réforme aujourd'hui pour la Corse va se limiter uniquement en la suppression des conseils départementaux et qu'on ne va pas, je dirais, réfléchir à une nouvelle organisation administrative et financière sur la Corse, je dirais que cette réforme, c'est un échec. Ce sera un échec, vous le verrez. D'ailleurs, ce que je prédisais au départ, lorsque je commentais les travaux de M. Chaumont et de M. Colombani, bien, aujourd'hui, on se rend compte que je ne disais pas que des contre-vérités. Quand je disais que on n'arriverait pas à boucler le budget en empilant les compétences des conseils départementaux avec ceux de la région. Le président de l'exécutif, Gilles Simeone, en a fait le constat lui-même. Il a dit, le compte n'y est pas, il va manquer plus d'un million d'euros, plus de 100 millions d'euros. Bon, tout ça, aujourd'hui, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est du bricolage. C'est du bricolage. Moi, j'aurais souhaité, puisque nous étions d'accord sur le principe d'une collectivité unique, qui a une proposition de loi qui encadre une fois pour toutes, une fois pour toutes, les avantages dérogatoires dont nous bénéficions, qui ne peuvent plus, puissent plus être remis en cause toutes les 5 minutes par un député dès que vous tournez le dos. Ça, c'est déjà une chose. Et ensuite, nous donner les moyens financiers et fiscaux pour gérer notre région. Et la chose la plus importante, le pouvoir d'adopter les lois à notre région. Parce que je le dis et je le répète, on ne peut pas aujourd'hui appliquer une loi de la même façon, de partout,
sur toutes les régions de France, et notamment en Corse. En Corse, nous avons un statut spécifique. Aujourd'hui, on rentre dans le droit commun avec ce qu'on nous propose. Écoutez, moi j'enregistre avec satisfaction cette position qui me semble être une évolution de votre part, en tout état de cause, même si sur le statut fiscal, moi je ne parlerai pas davantage, mais plutôt d'un cadre spécifique et d'un statut fiscal propre, je crois que sur ces points-là, on peut se rejoindre. Mais pour en revenir à ce qui est aujourd'hui la mise en œuvre concrète et opérationnelle de cette collectivité, puisque chacune de nos actions à la CTC, au Conseil départemental du Sud, au Conseil départemental de B, impacte déjà ce qui sera à Gazagoumouna, la maison commune, dans quelques mois. Très sincèrement, lorsque nous réactivons un projet de charte et que l'on nous accuse de vouloir mettre sous tutelle les départements, je crois que ceci est un peu grotesque. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'on se mette autour d'une table et que l'on confronte aujourd'hui ce que sont aussi nos trajectoires budgétaires. Et effectivement, il va y avoir un problème budgétaire. Mais on ne peut pas d'un côté avoir une collectivité territoriale qui fait des efforts en matière de réduction des charges de fonctionnement, qui limite... Ces charges de personnel sont en augmentation à 0,75%. Et d'un autre côté, lorsque l'on regarde les budgets primitifs et les budgets supplémentaires du Conseil départemental de Corse du Sud depuis l'élection de Pierre-Jean-Louis Gianni à sa tête, avoir une augmentation exponentielle. Je regardais le dernier compte administratif de votre mandature. Depuis, on a créé 160 emplois au Conseil départemental de la Corse du Sud, 5 millions en plus de charges de personnel, 4,2% d'augmentation de ces charges, alors que le fameux GVT, le glissement vieillesse technicité, devait être prévu à peu près 3 fois moins. Est-ce que c'est bien raisonnable, Jean-Jacques Panunzi ? Je ne vais pas permettre de porter de jugement sur la gestion de Pierre-Jean Luciani, puisqu'elle a un an, et je dirai ce que j'ai à dire une fois que je consulte le compte administratif. Pour ce qui me concerne, vous aurez remarqué que j'ai quitté le département de la Corse du Sud en laissant 37 millions d'euros d'épargne et en ayant contracté uniquement 40 millions d'emprunts remboursables en 18 mois. Je pense que je fais partie, quand j'ai laissé mon département, je pense que c'était le département qui était parmi les 2-3 meilleurs au niveau de la gestion en France. Eh bien, cette confrontation est arrivée à son terme. Merci, Pierre-Antoine Thomas, d'y avoir participé. Mes deux confrères vont maintenant reprendre leur place pour le débriefing après ce très court générique. Voilà, et on commence avec Roger Antèche qui va nous livrer ses impressions sur la prestation de Jean-Jacques Panunzi. Oui, Jean-Jacques Panunzi n'a pas été épargné par les coups, hein, qu'ils soient politiques hier ou judiciaires aujourd'hui. Il y a chez lui, comme chez d'autres politiques, c'est peut-être aussi la marque d'une force, une capacité de résilience qu'il fait apparaître en paix avec les siens et avec sa famille. Vous avez dit tout à l'heure, ni rancœur, ni rancune. Alors le palais du Luxembourg apporte peut-être la sagesse qu'on ne trouve pas au palais d'Andivy, hein. Mais vous êtes apparu au-dessus de la mêlée en quelque sorte, même si je trouve que la voix du sénateur de Corse du Sud a manqué ces derniers mois dans le débat local et territorial. Moi je me souviens du président du conseil général de Corse du Sud qui s'est levé avec force contre le redécoupage des cantons, comme contre l'instauration des fameux binômes Chabadabada, un homme, une femme, et contre la menace qui pesait alors sur la disparition des départements, c'était le projet du gouvernement. Vous avez évolué depuis. Je me souviens aussi des arguments qui étaient les vôtres alors, et dont je regrette qu'ils ne soient pas aujourd'hui au centre du débat sur l'instauration d'une collectivité unique. Comment va-t-on reprendre en compte la mission sociale des départements ? Il s'agit pourtant de millions et de millions d'euros qui sont versés aux plus fragiles et aux plus démunis dans cette société. Donc capacité de résilience, je disais, mais cette capacité de résilience existe-t-elle encore aujourd'hui pour la droite insulaire, puisque avec les primaires de la droite, on voit ressurgir des tensions, des vieux démons parfois, ceux de la division, attisés parfois par des chefs. Enfin, j'ai pas trouvé de la première élégance et de la première finesse les critiques de Nicolas Sarkozy contre le soutien de Laurent Marcangeli à Alain Juppé, parlant de traîtrise et autres. Donc je me demande si les leçons que vous avez tirées du passé, tout le monde à droite les a tirées en Corse aujourd'hui. – Alors Jérôme Souzine, et après vous répondez Jean-Jacques Panunzi.
Oui, simplement, on a à l'issue de ces échanges, y compris celui avec M. Thomas il y a l'instant, on pouvait craindre dans cette émission que Jean-Jacques Panunzi évoque ou qu'on le fasse évoquer uniquement la question de la primaire, et puis on se rend compte que Jean-Jacques Panunzi est plus orienté et par nécessité, par conviction, vers la Corse finalement. On a l'impression d'un sénateur qui est là en tête de pont au Sénat, qui a besoin effectivement de convaincre et de reconvaincre son entourage, c'est peut-être pas que ses électeurs d'ailleurs, ses proches, d'un schéma qu'il a en tête. C'est-à-dire que ça fait plaisir par un moment, il faut le dire quand les choses font plaisir, de voir que des parlementaires de Corse ont des idées peut-être moins bloquées et en tous les cas bien élaborées sur un schéma qui pourrait être celui de l'avenir des institutions de la Corse, qui n'est peut-être pas celui qui est en élaboration actuellement. Et en tous les cas, on a assisté à des explications ici de Jean-Jacques Panunzi qui vont vers une volonté de trouver autre chose pour la Corse. Il s'est révélé, en tous les cas pour moi, peut-être pour son entourage, ce n'est pas nouveau, autonomiste. Je ne sais pas s'il est autonomiste convaincu, mais en tous les cas, une volonté de véritable ouverture, pas forcément uniquement vers ce qu'on appelle la droite corse, qui est peut-être, malgré ce qu'il a dit, en difficulté. Et il est très sceptique, en tous les cas, sur la gestion par son successeur au conseil départemental, la gestion de cette période de transition vers la collectivité unique. Il est plus que sceptique, il est inquiet. Alors peut-être que cette inquiétude portera à une... peut-être qu'il aura peut-être un peu titillé les choses du côté du Palais Antilles pour qu'on puisse l'entendre. – Inquiet Jean-Jacques Panunzi ? – Non, je dis que inquiet, je suis obligé de partager une certaine inquiétude par rapport à, je dirais, aux fonctionnaires, aux services, tous les gens que j'ai connus, que j'ai côtoyés, qui ont travaillé avec acharnement pour, je dirais, pour relever cette collectivité, pour être aujourd'hui, on n'a pas à rougir, je dirais, des résultats que nous avons obtenus au département de la Corse du Sud depuis 10 ans. Moi, je dis que je me serais comporté différemment. Je n'aurais pas refusé le dialogue, parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que, eh bien, ils vont continuer à avancer, mais sans, je dirais, les interventions, les observations et les amendements que pourrait éventuellement porter le Conseil général de la Corse du Sud. Donc je ne vois pas comment on peut défendre les intérêts du département de la Corse du Sud si on refuse de participer, je dirais, au débat. – La politique de la chaise vide, ce n'est pas une bonne politique, selon vous. – Pardon ?– La politique de la chaise vide n'est pas une bonne politique. – Non, ça n'a jamais été une bonne politique. Jamais, non. J'étais en train de dire, même si au bout du compte, on n'est pas d'accord, et moi le premier, avec ce qu'on nous propose aujourd'hui. Mais la réflexion et toute la préparation, et il faut qu'elle se fasse en amont. Et si on met, même en imaginant que l'on aille vers une proposition de loi précise pour la Corse, qu'on retarde les échéances de 6 ou 7 ou 8 mois, aujourd'hui, tout ce temps, on pourrait l'engranger pour préparer les choses. C'est ça que je veux dire. C'est très dangereux aujourd'hui ce que nous faisons, la façon dont on se comporte sur la Corse du Sud. Juste une question que nous n'avons pas abordée au cours de cette émission, sur les élections législatives, d'abord sur les investitures en Corse du Sud, priorité donnée aux sortants, c'est ça, Camille Rocazière, Laurent Marquand. – Ce qui est tout à fait naturel. – Et c'est la même chose en Haute-Corse ?– Écoutez, pardonnez-moi cette carence, mais je ne m'occupe pas des affaires de la Haute-Corse. Voilà, je m'occupe un petit peu de la politique en Corse du Sud, même si j'ai pris pas mal de recul et je me passe plutôt en tant qu'observateur plutôt qu'en tant qu'acteur. Sur la Corse du Sud, il y a deux candidatures qui sont aujourd'hui indiscutables. Indiscutables, c'est celle de Laurent Marcangeli pour la première circonscription, qui devient, je dirais, une personnalité incontournable du monde politique, qu'on le veuille ou pas, et que ça plaise ou pas en Corse, pour la droite. Et dans l'extrême sud, vous savez,
ça ne peut être que la candidature de Camille de Rocacher. C'est naturel, donc ces deux-là sont naturels. Votre succession au département a été aussi finalement naturelle. Oui. Est-ce que vous craignez un petit coup de dernière minute concernant ces deux circonscriptions, ces deux candidatures? C'est possible? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que aujourd'hui, la situation, je dirais, politique sur les deux circonscriptions, elle est quand même assez claire. Et il y a quand même des rapports de force qui jouent. Et ça peut en dissuader certains. Et en Haute-Corse, juste, mais je sais que ça vous intéresse moins, mais Jean-Martin Mandelogne et Stéphanie Grimaldi, les deux sont candidats à la candidature dans la deuxième circonscription face à Paul Jacob. Et vous choisissez qui ? Écoutez, déjà, je découvre aujourd'hui que Jean-Martin Mandelogne est... Ah, il a dit. Ah, il a dit. Il a dit. D'accord, mais j'étais pas au courant. Voilà, bon. Moi, je pensais que c'était... Il soutient la Juppé, comme vous, d'ailleurs. Que, oui, tout à fait. Stéphanie Grimaldi, Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que je suis très étonné, mais on n'a jamais parlé. Voilà, bon. Mais je pense que c'est le candidat qui sera investi, d'accord, qui aura la priorité d'être candidat. Et le résultat de l'élection présidentielle pèsera également sur le choix des législatives des candidats. Certainement. Eh bien, Jean-Jacques Panoun, ce sera là votre mot de la fin. Merci beaucoup. Merci encore à vous d'avoir participé à cette émission. Roger, Jérôme, Marine Graziab, un cowboy contre Ashtawa et Compi, Jerry Droemou, Domenica Brossimo, con altro invitato sarà Michel Stefani, Litto Territoriale Comunista, mi restava 30 secondi. Pedibi, buona settimana, buonasera a tutti. Les sortants seraient réinvestis.